pour rendre compte. Et les journalistes vont poser des questions. Ah, voilà, la tribune qui est dressée nous montre le Sénégal. Donc, le président Macky Sall va être le prochain hôte du prochain sommet, parce qu'il y avait en fait trois candidatures. Il y avait la Moldavie, il y avait le Sénégal et puis il y avait le Vietnam. Et bon, le Haïti c'était aussi présenté, mais c'était désisté en dernière minute. Et donc les journalistes vont chercher à savoir sur quoi ont porté les différents huis clos de chefs d'État. Mais l'on sait dans les coulisses, nous avons appris qu'il y aura certainement des résolutions par rapport à la situation. Monsieur le secrétaire général de la francophonie, Madame la ministre, chers amis de la presse, soyez les bienvenus à cette conférence de presse finale du 14e sommet de la francophonie ici à Kinshasa. Je vais vous donner quelques informations pratiques pour cette conférence. Dans un premier temps, les chefs d'État vont faire une introduction liminaire. Ensuite, nous allons passer à la partie questions-réponses. Il faudra donc vous présenter le média pour lequel vous êtes ici et vous poser une question au chef d'État, au secrétaire général ou à Madame la ministre, pour permettre à tout le monde de poser des questions. Merci beaucoup. Excellence, vous avez la parole et certainement on commencera par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs de la presse. Le 14e sommet de la francophonie vient de prendre fin à Kinshasa avec l'adoption de la déclaration de Kinshasa et 5 résolutions. La déclaration et les 5 résolutions sont déjà disponibles. J'aimerais bien souligner seulement le fait que il y a eu un grand consensus autour de toutes les questions abordées pendant la conférence, pendant ce sommet, et que tout ce qui nous reste maintenant, avec l'appui du secrétaire général de notre organisation, c'est la mise en pratique, la mise en œuvre de la déclaration et de toute résolution. Sinon, c'est pour aussi vous dire un grand merci à vous tous de la presse pour avoir participé à ce sommet, et surtout pour la diffusion des images et le message tout au long de ce sommet de la francophonie ici à Kinshasa. J'aurai certainement d'autres commentaires après vos questions. Je donne la parole maintenant au président Macky Sall, monsieur le président. Je remercie monsieur le président Joseph Kabila. Permettez-moi aussi, au moment où prend fin le 14e sommet de l'OIF ici même à Kinshasa, de vous exprimer la gratitude de ma délégation ainsi que la mienne pour la bonne organisation de ce 14e sommet à tout point de vue. Nous avons eu une bonne organisation matérielle, mais surtout nous avons eu un contenu assez fourni à travers les thématiques abordées et adoptées par les 5 résolutions dont vous venez de parler.
résolution sur la situation des pays en crise, en sortie de crise et de la consolidation de la paix dans l'espace francophone. Une résolution également sur la situation au Mali, la situation en RDC. Une résolution sur la piraterie maritime dans le golfe de Guinée et une sur la bonne gouvernance dans les industries extractives et forestières. Mais ce qu'il faut souligner et qui est essentiel, c'est le consensus qui a prévalu sur des questions qui ne sont pas simples, mais aussi le consensus s'est prolongé jusqu'au choix du lieu pour le prochain sommet, et c'est donc à l'unanimité des pays membres que le Sénégal a été choisi. C'est un honneur et une confiance. Je voudrais à cet instant réaffirmer la gratitude du Sénégal à l'endroit de l'ensemble des pays qui nous ont fait cette confiance, mais surtout remercier les pays candidats qui ont eu la grandeur d'esprit et la générosité de retirer leur candidature, ce qui a fait que finalement le Sénégal était resté seul candidat. Je ne peux pas terminer mon propos sans dire que nous ressentons cette marque de confiance et d'amitié comme un hommage encore rendu à l'un des pères fondateurs, président Léopold Sédar Senghor, mais surtout un hommage appuyé pour l'action du président Abdou Diouf, ici présent, secrétaire général de l'OIF. Je lui dois cette reconnaissance, je lui dois cette gratitude, et je pense que si Dakar a été choisi, c'est aussi pour saluer la démocratie sénégalaise et saluer son action à la tête de l'organisation. Donc, président Diouf, encore une fois, merci. Et c'est avec plaisir que le Sénégal vous accueillera tous, vous accueillera à Dakar, Inch'Allah, en 2014. Je vous remercie et je remercie également la déléguée, Madame la ministre de la Francophonie, Madame Benguigui, pour son action et ses efforts pour la réussite de nos actions. Merci beaucoup, M. le Président. Madame Benguigui. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, comme l'a dit le Président, je tiens tout d'abord à remercier les autorités congolaises qui nous ont accueillis dans cette belle et grande ville de Kinshasa. J'ai été particulièrement sensible à la chaleur de l'accueil de la population congolaise. C'est mon deuxième voyage et qui a, avec vraiment une grande joie pour moi, à participer activement à la vie du village de la francophonie et qui s'est largement exprimé au travers des différentes rencontres qui ont été organisées. Vous me permettrez aussi d'adresser mes félicitations et mes vœux de succès à la République du Sénégal qui accueillera en 2014 le 15e sommet de la francophonie. Qu'elle sache que nous serons à ses côtés pour un événement qui, nous n'en doutons pas, sera à nouveau un succès pour tous les francophones. Le sommet de Kinshasa a été un grand succès. Tous les chefs d'État et le gouvernement y ont exprimé leur confiance à l'égard d'une francophonie qui agit pour sa jeunesse et pour une mondialisation équitable. J'aime à rappeler cette phrase de Nelson Mandela qui dit « Ce qui est fait pour nous, sans nous, se fait contre nous. » Les États membres, avec force, ont exprimé leur solidarité à l'égard de la République démocratique du Congo, agressée à l'Est, et leur condamnation des exactions qui y sont commises, en particulier à l'égard des femmes et des enfants. S'agissant du Mali, qui est une très grave crise, qui affecte l'espace francophone,
j'ai constaté la complète unanimité pour soutenir l'action de la CEDEAO et de l'Union africaine pour mettre un terme rapide aux exactions commises dans le nord de ce pays par des groupes terroristes et criminels. Vous savez que la France soutiendra cette action. Merci. Monsieur le secrétaire général. Excusez-moi. Je voulais avant tout remercier infiniment le président Diouf, parce que vraiment, j'ai pris mes fonctions au mois de juin, et fin juin, j'ai rencontré le président, et nous avons vraiment discuté très chaleureusement sur l'importance de ce sommet qui allait se tenir dans le plus grand pays francophone. Et vraiment, Monsieur le Président, vous avez l'énergie d'un jeune homme. Et je ne sais pas, je me dis que dans 2 ans, vous retrouvez pour le Sénégal, mais nous avons encore besoin de votre jeunesse, de votre enthousiasme et de votre chaleur humaine. Merci. Merci. Mesdames et Messieurs, mes premiers mots seront pour dire très franchement et très nettement que ce sommet de Kinshasa a été un grand succès. D'autant plus grand que nous avions sur notre route beaucoup de difficultés sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, nous vous devons une gratitude infinie. Vous, votre gouvernement, votre peuple. Et également, nous devons une gratitude infinie à tous vos homologues qui ont bien voulu accepter votre invitation et participer avec vous à ce grand rendez-vous de la francophonie. Avant l'ouverture du sommet, j'ai été visiter le village de la francophonie. Et je me suis rendu compte d'une chose que j'avais déjà constatée au Forum de la langue française à Québec. Nous avons vraiment une francophonie populaire. Et cette francophonie populaire s'est exprimée ici de façon enthousiaste, surtout au niveau des jeunes et des femmes. Et Madame Benguigui, je voulais profiter de l'occasion pour vous dire que votre projet, le projet du président François Hollande d'organiser une grande réunion sur les femmes francophones est un projet qui nous réjouit tous et nous stimule. Et nous aimerions bien pouvoir organiser cette réunion avec vous. Et avec tous les pays de la francophonie et toutes les femmes de la francophonie. Je me dois d'insister également sur le fait que une des clés du succès, ça a été la parfaite osmose entre la République démocratique du Congo et l'Organisation internationale de la francophonie. Nos équipes ont travaillé dans un esprit tellement positif. Vous savez que j'ai l'habitude de dire que moi je suis un pessimiste de la raison, mais un optimiste de la volonté et de la foi. Alors c'est cette foi et cette espérance qui ne m'ont jamais quitté. Et cette foi et cette espérance qui ont animé les équipes, vos équipes, Monsieur le Président de la République, et les équipes de l'OIF. Et aujourd'hui nous sommes rendus ici. Non pas pour être d'un optimisme béat, mais pour constater quand même ce que chez nous on dit, si vous voyez un œuf, vous dites...